I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, I know that this will never go. Ooh, it's cinematic in the way we connected. Girl, you're so familiar, I never expected you to be right in my arms. And my favorite part, how you talk in the dark. Oh God, there's... C'est une nouvelle peluche. Coucou toi, j'ai un petit pop-up en début de vidéo pour te dire que je repasse les vidéos en français. Et si tu veux savoir pourquoi, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Elle est stupide. Coucou les amis. Salut toi. Alors comme vous avez pu remarquer, on a re-switché en français. Je vais vous expliquer tout à l'heure quand on sera à l'intérieur parce que là il y a un peu trop de bruit. Donc oui, je disais, on a re-switché en français parce que en fait j'ai fait un sondage et je voulais savoir si vous préfériez que je parle en français avec des sous-titres français-coréen, français-anglais, ou si l'inverse, je parle anglais avec des sous-titres français-anglais. Et il s'est avéré que vous étiez une grande majorité de français à préférer, décidément. Il s'est avéré que vous étiez une grande majorité de Français à préférer que je parle en français. Donc nous revoilà en français. Et du coup, pourquoi est-ce que j'ai fait ce sondage? C'est parce que je me suis rendu compte dans les stats que plus personne ne regardait mes vidéos. Donc c'est que forcément il y avait un problème quelque part. La morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de tester et de se tromper. Parce que ça fait partie du processus en fait. Et je regrette pas du tout d'avoir fait de l'anglais. Parce que du coup j'ai vu que ça ne marchait pas. Et puis j'ai testé. De toute façon, vaut mieux tester et savoir que ça ne marche pas plutôt qu'avoir des regrets de ne pas l'avoir fait. C'est des regrets ou des remords? Des remords. Des remords de ne pas l'avoir fait. Au fait, les gars, comme vous avez pu le remarquer... Nini, j'ai plus de cheveux. Elle s'est coupée les cheveux, mais pourquoi? Parce que j'avais envie. Ah, c'est par là. Oui, c'est par là. Donc oui, qui m'a coupé ses cheveux? Ça fait partie aussi du gros changement de cette chaîne. Ça impacte tout. Ah bah oui. Le changement des choses est complètement changé. Comme vous pouvez le voir, on est dehors. Et en fait, c'est un week-end où il fait très très beau. Et c'est aussi, il me semble, le dernier week-end des cerisiers en fleurs à Busan. Donc du coup, on voulait en profiter, aller voir un peu les cerisiers en fleurs. Et on va vous montrer tout ça. On passe par Gwanggan. Donc du coup, c'est une pierre de coup. On voit deux belles choses aujourd'hui. Moi. Moi et moi. Moi et les cerisiers en fleurs. C'est parti. I still gotta let you know that I never wanted anyone more. Falling forwards onto the floor feels like I felt this feeling before. En vrai, ça fait hyper longtemps qu'on n'est pas allé à Gwanggan-li, même si on habite juste à côté. C'est du truc où tu t'assois et tu te traînes. Non. Attendez, je vais vous montrer. Des bouées tractées. T'as envie de faire ça? Ouais. À mon avis, il fait encore un peu trop froid aujourd'hui. Banana boat. Mais non, c'est les jeux. Ah mais non, mais c'est les jeux, c'est tu montes et après tu... Non, moi je veux faire ça, attends, banana. Banana. Kim, elle veut faire ça, mais Kim... C'est lui, là. Kim, elle tombe. Mais le paddle, c'est fatigant, faut se lever. T'as dit quoi? Le paddle, c'est fatigant, faut se lever. Elle me fatigue. Et du coup, oui, comme je disais, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à Gwanggan-li. Et en fait... Je sais plus ce que je voulais dire, vas-y, c'est chiant, tu m'as coupé maintenant. C'est un peu triste, les cerisiers en fleurs ne sont plus très frais. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble et imaginez ça beaucoup plus beau avec beaucoup plus de fleurs. I think you're cute, can I hit you up on Instagram? Cause you are the only thing I'm thinking of. Qui m'a attrapé son premier pétale? C'était très beau à voir. Intense. And I can't stop it, I'm wishing you and I were talking. But even if we talked, I wouldn't know what I would say. My social awkwardness would just get in the way. Maybe I'm a little bit shy, but I'll try my best to compromise. Cause oh, I think on l'arrête plus. Je t'abandonne. Il atterrit dans ma poche. Voilà. C'est un signe. C'est une bonne année, prospère. Allez, on y va. T'as honte de moi? Un petit peu. Et
Mais regardez à quel point c'est beau. Ça rend toujours moins bien. T'en as un Jordan. Mais regardez à quel point c'est beau. Mais c'est hyper difficile de se filmer dans cet endroit parce que quand on n'est pas le week-end, il y a vachement de passages, de voitures garées. Oh, c'est trop beau! La vidéo, ça rend tellement pas justice. Regarde, une tempête de poussière! Kim, c'est un vrai petit chien. Mais c'est en bien, genre c'est un vrai labrador. Ah bah non, t'as commencé avant moi, moi je vais les ramasser par terre. Regarde, la technique. C'est pas du tout staged. C'est mignon, non, regardez-moi, belle. La belle fleur. Qu'est-ce qu'on attend? Je voulais montrer ma jolie fleur. C'est trop pénible parce qu'il y a du potentiel ici de paysage, mais alors faut vraiment que je me forme en photo et en pose. Je regardais la vidéo, c'est quoi? C'est David Saw. Bref, faut que vraiment que j'apprenne à poser et à prendre des photos parce que ça va pas du tout. J'arrête pas d'effacer toutes les photos que je prends. Mais bref, la vidéo, c'est joli. Regardez-moi ce grand pot de fleurs. Vous croyez qu'on peut, que mon aloe vera, il va rentrer dedans? Moi, je ne pense pas. Pourquoi ça? Et pour un plus grand encore. Mais je rigole même pas, en plus c'était vraiment un pot de fleurs. C'est un français qui a fait ça. C'est vraiment très grand. Juste à côté, j'ai fait tout petit. Mais c'est pas un bol, c'est un pot. Mais alors? On peut mettre plein de céréales et de lait dedans. Je vais mettre plein d'aloe vera dedans. On continue sur la lancée, on se promène un peu. I don't know what's the best way to start, cause if I'm not careful, I might lay it on my heart, out of my chest too fast. Très charmant. Vous êtes imparable sur le dance floor. Ça veut dire quoi, imparable? Vous pouvez avoir un petit copain directement. Regardez-moi. Croyez-en son expérience. Regardez, dans 3 secondes, il y a quelqu'un qui va venir nous parler. Oh, c'est bon. Il va se mettre. Qu'est-ce que j'ai dit? Even if I'm sleepy, I'm up all night just thinking. Je vous emmène grimper. Ça c'est notre espace Ça c'est notre espace de jeu où on vient au moins une fois par semaine, une à deux fois par semaine. C'est un peu bruyant parce qu'il y a du monde, ils viennent de changer les murs. Et je vais vous montrer un peu comment on grimpe. Bon, vous devez certainement connaître, mais c'est vachement ludique, amusant et ça permet de se défouler de ouf. Yeah.
Depuis ce matin, elle arrête pas de chanter cette chanson, c'est insupportable. Ouais, on a fini de grimper, j'ai pas réussi grand chose, mais en même temps c'est normal, ça faisait plus de 2 semaines qu'on n'avait pas grimpé. Et en fait l'escalade, enfin nous surtout, on perd beaucoup nos muscles très vite. Donc du coup, les débutants on a encore... Ah non, les débutants ça va, ouais. Mais c'est genre si on doit passer au niveau intermédiaire, ça recommence à devenir un peu difficile. C'est un peu frustrant. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour s'amuser. Là maintenant on va aller manger, on passe un peu à Daiso, mais je vais arrêter de vous filmer ça parce que je vous filme tout le temps Daiso. Mais c'est vrai, c'est vrai, en vrai on n'y va pas tant que ça à Daiso. À chaque fois qu'on y va, je filme un vlog. T'énerve pas, tout va bien se passer. On va à Daiso parce que je vais acheter des pots de fleurs et du terreau et tout parce que j'ai des plantes à rempoter. Rempoter des mandragores. On va rempoter des mandragores. Et du coup je vais vous montrer tout ça cet après-midi. C'est par où déjà? Par là. Ah. You chelou. Bah, ça fait longtemps aussi, Anou elle habite plus là, Anou revient. C'est un peu le retour des vlogs où on fait n'importe quoi, non? Ouais, je pense que l'anglais bloquait beaucoup. Je te connais. Essaye de cacher les plaques d'immatriculation avec ta tête. Oh, bah, trop tard. Oh, ça fait 3 jours qu'on meurt. Au moins 3 jours. Le masque me donne le nez rouge. On dirait un clown. Le mignon, les dents. Mignon, littéralement, ou mignon parce qu'il veut te foncer dedans? Oui, il est mignon parce qu'il veut me foncer dedans. Quand tu t'énerves et tu fais, oh, il est mignon lui. Je voulais te parler du changement aujourd'hui, car c'est un sujet qui me touche beaucoup en ce moment. Le changement, ça fait peur, mais c'est aussi tellement nécessaire pour avancer. Tu évolues constamment, tout au long de ta vie. Tu testes des choses, tu te trompes, tu rectifies, et c'est tout à fait normal. Pour être honnête avec toi, j'avais super peur de changer à nouveau d'avis. De repasser les vidéos en français, de changer de design de mes comptes Instagram, de changer d'avis quant à mon business aussi. En changeant souvent d'avis ces 2 dernières années, j'avais très peur du regard des autres. J'avais peur de passer pour une fille qui ne savait pas ce qu'elle voulait. Mais tu sais quoi? C'était aussi vrai. Je ne savais pas ce que je voulais. Si tu ne tentes pas, que tu ne changes pas d'avis 36 000 fois, comment veux-tu savoir ce qui marche? Ce qui ne marche pas? Ce que tu aimes et ce que tu aimes moins? S'imaginer une vie, ça ne suffit plus. Il faut tester, se tromper, s'amuser dans le processus et arrêter de se prendre la tête. Donc oui, aujourd'hui, pour avoir une vie à mon image, un métier à mon image et une chaîne YouTube à mon image, j'ai décidé de changer encore et de tester. Donc si toi aussi t'as un projet en tête, hésite plus, passe à l'action et change d'avis 36 000 fois. Trouve ce qui te plaît. C'est encore mieux si on est accompagné, alors faisons-le ensemble. Dis-moi en commentaire, quel est ton projet de rêve? Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine, la semaine prochaine. Bye! Moi je plante mon petit basilic. Tu vois, tout mignon et on va pouvoir faire des salades.